J'espère que vous entendez bien. Pas de souci. Okay. Donc, lorsque on m'a contacté pour présenter la clinique, évidemment, les sujets sont vastes. Il y a beaucoup de sujets. Il y a un sujet qui me tient à cœur, parce que cette année ici, on a renouvelé l'équipe à Liège et on a reçu beaucoup de nouveaux joueurs, de jeunes joueurs, et je constate le manquement qu'ils ont au niveau de leur lecture de jeu. Et c'est un aspect actuellement qui est pratiquement le plus important. Lire le jeu, et spécialement lire le jeu hors ballon. Donc c'est un sujet assez complexe. Ce qui est bien, c'est que l'après-midi, vous avez un clinique aussi avec les jeunes. Donc je passerai la partie travail de fondamentaux pour essayer d'arriver à un niveau évidemment de 5 contre 5. Parce que quand un jeune arrive, ce que j'ai cette année par exemple, je sens au niveau des lacunes qu'ils ont, ce n'est pas sur le niveau technique, c'est surtout sur leur façon d'agir en fonction de telle ou telle situation. Donc, pourquoi le jeu hors ballon est important? Il faut se poser la question, de savoir, voilà, c'est des statistiques, c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui l'ai inventé. On passe sur un terrain de jeu, en temps réglementaire, 40 minutes de jeu effectif. Dans les 40 minutes de jeu effectif, la balle est une fois à l'adversaire et une fois elle est en notre possession. Ce qui veut dire qu'en principe, on a 20 minutes la possession du ballon pour jouer à la table. C'est juste. Hormis prolongation évidemment, donc temps effectif 20 minutes. Combien de temps un joueur est-il en possession du ballon pendant ces 20 minutes? Déjà, on répond. Un me dit 50 secondes. Je parle de 20 minutes. Donc, si 5 joueurs devaient jouer le match complet, donc pas avec les changements, pas avec les rotations, évidemment. 50 secondes, pas mieux? Alors, donc ça dépendra des positions évidemment, parce que le meneur en général a plus souvent la balle pratiquement que le pivot. Mais en moyenne, on a calculé qu'un joueur était concerné par le ballon pendant 3-4 minutes, avait du moins ce ballon pendant 3-4 minutes. Donc 3-4 minutes, et être sur le terrain pendant 20 minutes, ça veut dire qu'il y a 16 à 17 minutes où on fait quoi? On blague, on ne fait rien. Enfin. J'espère qu'on fait quelque chose, parce que sinon, ça serait vraiment monotone. En Europe, on fait beaucoup. On fait beaucoup sans ballon. Aux États-Unis, on fait beaucoup moins. Pourquoi? Parce qu'en général, ce sont des athlètes qui dominent et techniquement et physiquement, et ils n'ont pas trop besoin de jeux sans ballon. En Europe, on est obligé maintenant de jouer sans ballon. Quand on voit les types de défenses, la façon dont les défenses se sont développées, à l'heure actuelle, si vous regardez par exemple les matchs d'Euroleague, les meilleurs shooters, ceux qui shotent à distance, ce sont les joueurs qui savent jouer sans ballon. Hormis d'être un surdoué, okay, et de pouvoir prendre ses shots avec ballon quand on veut, mais les meilleurs shooters sont les joueurs qui utilisent très bien le jeu sans ballon. Donc, d'où l'importance, à l'heure actuelle, de travailler hors ballon. Ça veut dire qu'il faut posséder les fondamentaux. OK, des fondamentaux de base, que là, on travaillera dès le plus jeune âge, évidemment, qui sont assez faciles. OK,
Et le coach devra se servir de ce fondamental-là, après dans un jeu construit à 5. Parce qu'après, lorsqu'on va faire deux attaques, on pourra mettre peut-être certains, à l'opposé du ballon, on pourra mettre certaines situations. Mais il y a des situations qui vont revenir régulièrement et qui ne seront pas nécessairement dictées par le coach. Elles sont dictées par la lecture du jeu. Soit parce qu'un joueur joue une défense trop agressive et joue un dynamique, et là on utilise peut-être le bec d'or pour le battre. Soit un joueur fait une rotation intérieure de raquette, une grosse rotation, et peut-être qu'il faudra mettre un écran sur ce joueur pour skipper la balle et avoir un shot à l'opposé. Mais tout ça, ce sont des choses qui vont se travailler. Et dans une situation après à 5, elles viendront naturellement. Mais quand vous voyez certaines situations, et je parle surtout ici de volley, parce que le basket, c'est, pour moi, c'est de volley. Quand vous voyez certaines situations en Euroleague, on croit que ça vient, que c'est fait, bien sûr, ça vient spontanément, naturellement, mais ça vient d'une bonne lecture parce que ça a été travaillé. Non pas que ça a été travaillé dans tel, parce qu'on ne sait pas, hormis certaines conditions, et là je reviendrai là-dessus tantôt, mais on ne peut pas dire, tiens, ici, je vais jouer avec toi pour battre mon homme. Parce que bon, ça dépendra du défenseur, de la position du défenseur. Si le défenseur vous empêche de recevoir la balle, on punira d'une façon. Si le défenseur vous empêche de couper peut-être vers l'anneau, il faudra peut-être revenir sur le dessus de recevoir la balle. Donc ça s'appelle lire le jeu, la lecture. Quand je dis on ne fait pas le breakdown quand on veut, je le citerai en conclusion à la fin. Là, on a un exemple exceptionnel en Europe, c'est le Real Madrid et l'équipe nationale espagnole avec Rudy Fernandez qui, à chaque match pratiquement, marche son aller ouf là-bas sur un bec d'or et tout le monde le sait. Donc là, on voit que c'est une application, c'est quelque chose qui est fait spontanément avec de la vitesse, évidemment avec collaboration d'un partenaire parce que ça, on est obligé de travailler en relation avec le porteur du ballon. Donc, en ce qui concerne les fondamentaux qui sont nécessaires pour travailler hors ballon. Okay? La première chose qu'il faudra apprendre aux joueurs, c'est le positionnement. Important, on vous a tout le temps parlé d'espace. Quand on joue en attaque, il faut occuper le plus d'espace possible. Il faut ouvrir le jeu. Okay? Le positionnement, c'est important. Mais toujours, il faut se positionner, mais toujours en voyant le ballon. Ça, c'est un des critères les plus importants. Parce que beaucoup de joueurs courent des fois dans certains spots, mais sans voir le ballon. Alors, si vous ne regardez pas le ballon, il faut savoir que pendant ce temps-là, votre défenseur, il peut vous regarder, il sait qu'il n'y aura pas danger. Or, à chaque fois que vous allez vous positionner, vous devez mettre votre défenseur en difficulté. Lui devra retrouver ses positions défensives. Le but d'être en bonne position, justement, c'est que si maintenant il y a une créativité, il faut absolument être prêt à recevoir. Parce que si vous n'êtes pas prêt à recevoir la balle, le joueur peut avoir créé, et au moment où vous devez recevoir la balle, si vous n'êtes pas prêt à shooter, ce qui a été fait ne sert à rien. Donc, positionnement sur le terrain, l'occupation des espaces. Le basket est un jeu où on pratique ça dans une surface assez réduite. Il y a 10 joueurs, donc ce n'est pas facile. Et on voit ça nécessairement, vous allez voir dans certains drills peut-être, où on a tendance à chaque fois à refermer parce qu'on est attiré par l'anneau. Souvent, donc c'est ballon et l'anneau. La deuxième chose qui est importante, c'est la vision périphérique. Donc vision périphérique, on parle de vision périphérique au niveau de la défense, mais c'est surtout important au niveau de l'attaque. Souvent, je vois, j'ai eu le cas cette année, des joueurs qui prennent la balle de là, ils doivent la donner ici, et de là partent en libre, en regardant le joueur là, et passent la balle. Ce qui veut dire que tout ce qui se passe à l'opposé, il n'a pas vu. Et c'est important de toujours voir le jeu complètement. C'est pour ça qu'on cite que
dans des situations, par exemple, de pick and roll, d'attaque avec un ball screen, on aura tendance à jouer à deux. C'est la première intention, c'est de jouer dans le porteur du ballon avec la loupe, avec le screener, mais toujours de voir à l'opposé les rotations, les aides qui viennent de l'opposé, pour éventuellement aller chercher le joueur qui est ouvert. Parce que si le joueur, si mon meilleur shooter est dans le coin, là, et que mon meneur, quand il dribble ici, ne voit pas que son défenseur est en dessous de l'anneau à faire rotation, il peut être le meilleur joueur, il peut s'appeler Michael Jordan, il ne marquera jamais. Il ne marquera jamais parce qu'il n'a pas la balle. Ok, donc ce qui est important, c'est justement de pouvoir voir le jeu de façon à donner la balle au joueur qui est ouvert. Important de travailler et de rappeler tout le temps au joueur, quand il fait une action, est-ce que tu as vu à l'opposé? Il joue d'un côté, est-ce que tu as vu à l'opposé? Troisième, au niveau des fondamentaux requis, c'est la course et les arrêts. Là aussi, le joueur doit pouvoir courir dans tous les sens. Il doit pouvoir courir en avant, courir en arrière, on se déplace latéralement, on s'arrête, on repart. Tout ça doit être fait intelligemment. Ça ne sert à rien de courir d'ici, de splitter là-bas, pour se libérer si la balle est derrière. Ça ne sert absolument à rien. Donc, il faut leur apprendre à courir, il faut leur apprendre à arrêter, mais toujours en fonction du ballon. Changement de direction, pareil, c'est un des fondamentaux de base, tout ce qui est démarquage. Maintenant, dans ce qui est changement de direction, voilà, au niveau des utilisations d'écran, par exemple, ça c'est super important. Parce que par moment, on veut utiliser des écrans, mais il y a du trafic et donc il faut éviter. Il faut éviter, donc ça veut dire qu'il faut reconnaître tout de suite la course qu'on doit prendre. Par moment, pour aller de ce point-ci à l'opposé, on pense aller par la ligne de fond. Or, on a bumpé, où il y a du trafic et on est obligé de passer par le dessus. Donc, on doit changer des fois de direction et ça permet chaque fois, encore une fois, tous ces fondamentaux-là sont faits de façon à éliminer son défenseur ou l'amener dans un écran. Le changement de vitesse, encore la même chose, voilà, rien qu'il parle de changement de vitesse, par moment, on peut se libérer de son défenseur. Encore une fois, toujours en fonction du ballon. Voilà. Le démarquage simplement pour recevoir un ballon, et comme je vous disais tantôt, sur le démarquage, quand on veut recevoir le ballon, et qu'on conteste la passe, utiliser le backdoor. Moi, je suis un fan du backdoor. Moi, quand un joueur va sur l'opposant par un backdoor, j'applaudis, parce que c'est vraiment punir le défenseur qui est trop courant. Et ça, il faut l'utiliser, il faut inciter, même des fois le joueur a dit, viens jouer, viens défendre, viens m'empêcher d'avoir la balle. Là, par exemple, le jeu bat et je suis là-bas. Moi, quand je vois le Fernandez faire son allure là-bas, je me dis, c'est à ce niveau-là, comment ça peut arriver? Voilà, ça arrive. Donc, le débarquage et tout ce qui est cut, découpage vers la deux. Par moment, on peut des fois couper, rien que pour libérer un espace. Ok, mais ça, c'est dans un jeu construit à 5. Donc, les qualités qu'il faut pour pouvoir jouer hors ballon. Ben, la première chose, évidemment, c'est le physique. Si on a du physique, c'est beaucoup plus facile. Quand je disais Rudy Fernandez avec le backdoor et la Léo, Lionel Bosco, il ne sait pas faire ça. On peut le faire, on peut le travailler, il ne saurait pas, parce qu'il n'arrive pas à faire la Léo. Ben, donc il faut savoir, il faut avoir un physique adapté pour les circonstances. Mais, évidemment, ça peut se travailler. Et plus on a de physique, on a de chance d'arriver au niveau, forcément. La différence entre les États-Unis et l'Europe, 9 fois sur 10, c'est dû au physique. Donc, tout ce qui est force, explosivité, vitesse, voilà. Ça, c'est des qualités que certains joueurs possèdent. C'est des qualités qu'on peut peut-être améliorer. Mais bon, un garçon qui fait 1m80, à 25 ans, il fait toujours 1m80. Donc là, on ne sait rien changer à ce niveau-là. La lecture de jeu, par contre,
qui est important, c'est de connaître tout de suite la situation du jour. Ça, c'est fondamental. Celui qui veut connaître tout de suite la situation du jour aura toujours un temps d'avance dans son jour. Évidemment, quand on a lu la situation et qu'on sait ce qu'on doit faire, après, il faudra les qualités nécessaires pour terminer. Parce que si je lis le jeu, je sais qu'il y a une pénétration, je sais me positionner à l'opposé du ballon, donc soit ballon pour recevoir la balle et prendre mon shot, si je n'ai pas les qualités pour mettre la balle dedans après, on pourra applaudir en disant c'est bien joué, mais malheureusement, il n'y a pas de résultat, il n'y aura pas de panier marqué. Donc, à partir de ce moment-là, il nous faut aussi les qualités techniques et physiques. Donc, quand ces qualités, ces deux qualités-là, donc physique, lecture de jeu, sont innées chez le joueur. Parce qu'il y a des joueurs comme ça. Vous savez, quand il y a des petits qui commencent, qui sentent le jeu, il ne faut pratiquement rien leur apprendre. Tous les coachs se battent pour avoir des joueurs comme ça. Tous. Quand vous avez des joueurs qui arrivent en division 1 et qui ont une bonne lecture de jeu, c'est beaucoup plus facile que quand on doit leur enseigner. Par moment, on essaye et on y arrive quand même pas. Donc, ces joueurs-là, évidemment, tout le monde va vouloir les avoir, mais c'est sûr que ceux qui n'ont pas ces qualités-là, il faut les travailler. Il faut les travailler et surtout, il faut être patient, parce que c'est ce qui est le plus difficile à apprendre. Et c'est peut-être ce qu'on voit le moins. C'est peut-être la progression qu'on verra le moins. Quand on apprend un joueur à shooter, un petit à faire un layup, on voit tout de suite sa progression. Dans les tirs, on peut voir la progression, on peut voir. Dans la lecture de jeu, ça ne se mesure pas. Okay? Donc, continuez à travailler, sans cesse répéter. Okay? Et évidemment, on obtiendra peut-être des bons résultats. Avec ceux qui apprennent très vite, on aura de gros résultats. Ceux qui apprennent moins vite, utilisons peut-être un physique plutôt qu'une lecture. Mais voilà. Au haut niveau, la différence vient de là, la lecture de jeu. Un joueur qui met les pieds en Euroleague, en général, c'est parce qu'il a ça en plus que les autres. C'est une lecture de jeu, une compréhension du basket. Puis il y a la notion d'espace-temps. Donc, ce qui est important, et bon, on peut peut-être sourire, mais c'est de mémoriser la surface de jeu. Parce que la surface de jeu, elle est différente. Si je suis en défense et que je prends un rebond, la surface de jeu, elle est grande, c'est le terrain entier. Quand on passe la ligne médiane, la surface de jeu est plus réduite. Quand je joue d'un côté et que la balle est d'un côté, la surface de jeu est encore plus réduite. Donc il faut tout de suite voir quelle surface de jeu j'ai à utiliser, okay, et le temps qu'il faut pour l'utiliser. Ça, c'est important d'avoir cette notion d'espace-temps. Après, évidemment, au niveau du coaching, on pourra justement apporter, dans une situation à 5 contre 5, la propre touche du coach en disant, dans telle situation, on va faire ça ou ça, en ce qui concerne, par exemple, le placement d'écran. Voilà, donc, ça, c'est ce qu'il faut savoir sur le basket, l'utilisation hors ballon. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent ou pas? N'hésitez pas, hein, si jamais il y a des questions, vous pouvez m'interrompre de toute façon, à tout moment, il n'y a pas de souci. On va faire quelques drills qui vont permettre peut-être, premièrement, de comprendre vers où on veut arriver. Okay? Et là aussi, si vous allez voir, il y a des choses qui sont toutes simples, qui semblent évidentes, mais croyez-moi que le basket, il faut le travailler simplement. Simplement et répéter. À la limite, à certains moments, je laisserai jouer et on corrigera après. Vous allez voir, avec des joueurs d'un certain niveau, vous allez voir tout ce qu'il y a à corriger. Si on veut, on peut arrêter à chaque fois. Donc, il faut aussi trouver, vous voyez, moi avec les jeunes que j'ai, exactement en plus avec les blessés qu'on avait, si je veux, à chaque fois qu'il y a une passe, on peut arrêter le jeu. Donc il faut savoir aussi laisser continuer, accepter des fois certaines erreurs, parce que
sinon on va arrêter à chaque fois. Et donc, mais corriger, ne pas laisser non plus, ne pas laisser se répéter les erreurs, essayer au fur et à mesure de les éliminer. Donc, la première des choses qu'on va travailler, c'est le rebond et la contre-attaque. Vous voyez par exemple, la contre-attaque. Est-ce qu'on a déjà pensé, ça vous est déjà arrivé à tous coach, de dire on joue pour tel joueur et il termine toujours en contre-attaque. Pourquoi? Alors des fois il y en a qui trichent. Il y en a qui partent avant qu'il y ait le choc. Ça arrive. Mais celui qui a une bonne lecture de jeu, quand il est en défense, à chaque fois la première chose que je demande à mes joueurs, dès qu'il y a un choc, c'est de suivre le ballon des yeux, bloquer son joueur évidemment, mais d'essayer d'apprécier la trajectoire que le ballon va prendre. Ça c'est super important. J'ai eu la blague cette année ici par exemple, on joue contre Lost, dans le briefing d'avant-match, préparation du match, j'ai dit attention, à Lost choque beaucoup à 3 points, c'est des joueurs qui jouent à basket assez dynamique en attaque et ça choque beaucoup. Faites attention aux longs rebonds. Parce que plus il y a des shots à distance, plus vous avez de chance d'avoir des longs rebonds. Plus il y a un jeu intérieur, plus ça sert des coups de rebond. On commence le match, après 2 minutes, j'ai mon joueur, parce que c'était inopitable, qui close out en retard. Mais moi j'accepte, le close out en retard, j'accepte. Par contre, après close out, et on fait ça, rebond, son joueur prend la balle, passe 3 points. Ça c'est le fait de ne pas avoir reconnu qu'il pouvait y avoir ce long rebond. Il y a un choc à 3 points à distance, ok? Donc il faut savoir que, et je répète, plus le choc est pris de loin, plus il y a des chances d'avoir un long rebond, parce que si elle touche l'anneau, elle va rebondir. Donc important, maintenant, savoir nous aussi par exemple, que s'il y a un choc qui est pris dans le coin, que 70-75%, des fois, si le shot est raté, il ira à l'opposé de l'anneau. Donc ça aussi, on doit calculer. Ça veut dire qu'à l'opposé, il faudra peut-être plus se focaliser sur le rebond, alors que de ce côté-ci, on pourra peut-être déjà regarder la balle, et dès qu'on voit la balle partir à l'opposé, partir en contre-attaque. C'est important, ça ressemble. Dans le basket, il faut gagner des dixièmes de seconde. Et c'est pour ça qu'à certains moments, nous avons des joueurs qui savent partir en contre-attaque, aller marquer des paniers. Donc, ça commence déjà à partir du rebond. Ok, donc on va faire un petit exercice. On va essayer, on va combiner un petit peu pour ne pas. On va les faire jouer, vous allez voir, c'est assez simple. Donc, si vous voulez prendre note des exercices, parce que bon, je ne vais pas le montrer sur le tableau, rien du tout, on va le montrer sur le terrain uniquement. Enfin, si ça vous intéresse. Ok, déjà, vous mettez par 3 un ballon pour 3. Prenez un ballon pour 3. Et il faut 3 joueurs ici. Les autres, vous êtes à l'extérieur, sur le côté. Un joueur là, avec ballon. Un joueur à l'aile. Un joueur à l'aile là-bas. Mettons dehors du terrain. Et vous reculez le ballon. En dehors du terrain là-bas. Et reculez le ballon. Ok. On va simplement passer, jouer give and go. Déjà fait, passe, give and go, tu remplaces le joueur, toi de là tu vas chercher, ok, tu as la balle qui soit faite, tu passes, give and go, tu viens, ok, ça va? Donc, simplement give and go, regardez au niveau des espaces, les lignes, avant il y avait une ligne à 6m25, les joueurs s'arrêtaient à 6m25, maintenant il y a une ligne à 6m75, les joueurs s'arrêtent à 6m75, en principe. Quand il y avait la ligne à 6m25, aucun joueur n'allait au 6m75. Maintenant, il y a une ligne, donc j'espère que vous allez quand même la respecter. Ok, donc, passer, bouger, ensemble. Okay. Quand je crie shot, le joueur qui a la balle, shot, réaction, rebond. Ok, rebond, et vous partez en contre-attaque. Là, le coach donne des consignes, on part en contre-attaque en respectant 3 couloirs. Un couloir extérieur, un couloir du milieu, un couloir latéral. Pas d'importance si on amène la balle dans le centre ou dans le couloir.
couloir. La première chose, c'est dès qu'on a la balle, on doit donner la balle devant. On peut faire une passe d'un côté à l'autre. On essaie d'aller marquer le plus rapidement possible à l'opposé et en utilisant le moins de dribble possible. Je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas dribbler. On utilise le moins de dribble possible. OK ? Ça va pour tout le monde parce qu'après, vous allez passer chaque fois à 3. Donc, vous mettez par 3 là-bas et chaque fois, donc vous allez à l'opposé et puis vous revenez sur le côté là. On est prêts ? Allez, go. Recommence. Tu vas sur le dessus. On garde ces trois spots là. 1, 2, 3. Ok ? Allez, go. Vas-y. Encore, vas-y. Allez, shot. Vas-y. Ok, suivant. Go, allez. La même chose. C'est dans le mur. Allez, vite, allez. Shot. Donc il y a manque de concentration. Allez, on y va. Allez, je ne vais pas corriger ici, hein, sinon vous voyez, on peut arrêter à chaque fois. Allez, presse. Shot. Ok, stop. Pourquoi tu parles? Il y a un rebond de là. T'es sûr qu'il va prendre la balle? Première réaction, ok, ici. Prêt. S'il y a un rebond qui vient vers toi, tu prends la balle et c'est toi qui parles. Ok, avec la balle. Donc, bien faire attention à ça, vous voyez, calculer la trajectoire. Important, il y a shot, il ne faut pas se précipiter. Simplement, il y a shot de là, tu es là, toi, tu es ici, tu regardes. La balle va vers toi, tu la prends. Là-bas, tu vois que la balle touche la loupe et va reposer, tu spins. Parce que tu vas aller terminer à l'heure. Allez, recommence ça. Hein? Go, go, vas-y, allez, passe, allez. Allez, bon. Allez, passe. Allez, c'est pas grave. Allez. Shot. Go, je dis direct. On fait pas de mise en jeu. Vous l'avez fait déjà? Non. Allez, vas-y. Allez. Shot. Stop. Vous voyez l'exemple, tu n'es pas concerné par la balle, tu as shoté, tu ne fais pas attention, dis-nopita, c'est bien. Tu vois? Tu es ici, tu as shoté, qu'est-ce que j'ai dit? Je viens de le dire. Tu shotes, tu regardes la trajectoire du ballon. Tu es parti, le ballon vient derrière toi. Donc vous voyez, c'est important de le faire comprendre ça. Qui va prendre le rebond? Le problème, c'est que souvent, meneur et lié, ils vont partir. Vous dites, c'est le Big Ben qui prend le rebond, c'est pas vrai. Le rebond, c'est collectif. Il y a 5 joueurs qui doivent participer au rebond. Si le meneur est là et que la balle va de son côté, c'est à lui à prendre le rebond. Évidemment, les rebonds intérieurs sont plus souvent pris par des Big Ben. Mais dans le cas de shot extérieur, c'est pour ça que je le fais shoter extérieur, c'est parce qu'on risque d'avoir des longs rebonds. Allez, 3 suivants, mettez-vous ici. Donc on va essayer de combiner le dribble maintenant. Vous allez faire le même dribble, shot, partir en contre-attaque, ok. On marque à l'opposé, on va marquer à l'heure, enfin en tout cas, si on ne marque pas, c'est pas grave, on peut un shot. Le shotteur revient en défense. Les deux autres joueurs doivent prendre le rebond. Et sur la première moitié de terrain, je vais vous demander de faire des passes redoublées. Parce qu'on va se trouver une situation de 2 contre 1. Situation 2 contre 1, il faut garder la distance. Et la distance est pratiquement juste à l'extérieur de l'épaule de raquette. OK? Donc comme consigne, après je dis qu'il faut terminer par l'heure. Pas arrêter et shotter, il faut terminer par l'heure. Que ce soit face à un plus grand ou un plus petit. OK? Donc passe redoublée. Passe. On attaque la dos, milieu terrain, on attaque la dos. On va marquer sur le up. Évidemment, c'est le défenseur rouge, on passe, et c'est l'autre qui marque sur le up. OK? Donc réaction là-bas, tout de suite, défense,
passe un doublé et attaque là. Ici, on fait la même chose. Hein? Tu fais ce que tu veux. Tu peux intercepter la balle là-bas sur la passe doublée, tu peux revenir défendre ici. Vous faites ce que vous voulez en défense. Ça va, donc on fait la même chose. Allez, on y va. Shot. Là, en faisant une bonne en partant en contre-attaque. Tu vois, elle ne touche pas l'anneau, lui était au rebond, il est fait, tu lui es sur le point, tu pars. Voyez la différence. C'est ça quand je dis calculer la trajectoire. Ça ne sert à rien ici. Lui, ce qu'il a fait, il a shoté, il n'a pas touché l'anneau, et puis il vient. Il vient faire quoi? C'est trop tard. C'est trop tard. Soit le défenseur est en possession du ballon, soit c'est ton partenaire en attaque. Ça ne sert à rien. Donc, si maintenant ça ne sert à rien, ici, on est en situation contre-attaque après, juste la contre-attaque. Ok? Allez, comment. Non, commencez ici. Vite, de toute façon, c'est rien que vous démontrer, c'est pas pour vous corriger. Après, si on veut corriger, garder les espaces ici, ils réduisent chaque fois, ils vont pas en dessous de l'anneau, enfin, voilà. Ça, c'est. Eh, vous faites un given goal. Hein? Ferme. Vous faites un given goal. Vous voulez aller marquer ou bien vous faites un interchange simplement pour changer? Essayez de faire quoi? Passe, courir en dessous de l'anneau. Passe, tu reçois pour marquer à l'heure. Tu ne l'as pas, après tu reçois. Ok? Allez, on y va. Allez. Allez, on ne regarde pas la balle. C'est ce que je disais, vision périphérique, il faut regarder le jeu. Allez, shot. Ah, c'est mieux, allez, passe. Bien, tu peux passer, les gars dans le milieu. Allez, suite. Ok, stop. Pas mal. Vous avez vu, premièrement, il faut de la communication. Deux joueurs, un qui doit être au rebond, et l'autre, pendant ce temps-là, quand il a passé là-bas, il doit voir. Ça sert à rien d'aller à deux au rebond. Ici, c'est bien. Il était ouvert. Il a vu son partenaire aller au rebond, il est parti, il termine 1 contre 0. C'est la plus belle contre-attaque. J'ai dit on joue 2 contre 1, situation 2 contre 1, mais si c'est 1 contre 0, c'est mieux. Ok? Allez, on y va. Vite. Allez, vite. Allez, shot. Go. Sans mise en jeu. Faute, j'ai pas stipulé, on fait pas de mise en jeu parce qu'on veut de la vitesse. Ok? Donc pas de mise en jeu. Allez, on y va. Allez. Shot. Le défenseur, quand tu marques, c'est sprint directement. Les gars, le temps qu'ils aillent faire le rebond, tu dois être en défense. Donc il faut avoir des réactions chaque fois, attaquant, défenseur. Bien sûr, le défenseur doit être intelligent. Dès qu'il marque, s'il voit qu'il y a son reboundeur qui est tout près, il risque d'être battu par le joueur opposé. Si les deux joueurs sont derrière, il n'y a pas de souci. Il marque, il a tout le temps de revenir derrière, en défense. Ok? Et on le fait vite une fois. Allez, go, allez. Ouais.
Ok, stop. Stop. Bien, bonne lecture. Bien joué. Voilà, ici vous allez dire, oui, mais coach, si ce n'est pas du marqueur, c'est la remise en jeu. C'est un drill de réaction que je veux voir, justement. Bien, il y en a un qui est au rebond, l'autre qui est parti en contre-attaque. Ce n'est pas un hasard s'il termine à 1 contre 0. S'il termine à 1 contre 0, c'est qu'il a lu la situation. Il a vu que son partenaire prenait le rebond, il a vu qu'il pouvait partir en contre-attaque. Vous voyez qu'à par moment, ils viennent à deux rebonds. Et au décompte final, deux, ils doivent jouer une situation 2 contre 1. Or, évidemment, il vaut mieux jouer une situation 1 contre 0 que de 2 contre 1. Ok, pas mal. Puis après, on va voir les situations à 2, 2 contre 2. Ok, je ne vais pas m'étendre, hein, parce que bon, vous connaissez ça, ces sujets-là. Mais enfin, il faut un joueur avec ballon ici et un joueur au conseil. C'est tout ce qui est travail de relation, bon, avec joueur au conseil. Alors, à chaque fois, et ce sont des principes, ok, que vous appliquez probablement, que tout le monde applique, si le défenseur, donc on parle de situation de deux joueurs, comme ça du périmètre, parle du principe que tu attaques baseline, ok, voilà. Qu'est-ce qui se passe? On va passer la balle dans le coin pour un shooter. Je vous ai dit, ici on crée, ok, on imagine tout le temps situation 2 contre 2 ou même à 5, qu'il a battu son défenseur, il bat son défenseur, il y a de l'aide opposée, et le joueur à l'opposé profite, il a lu la situation, il a vu que son joueur venait en aide, et il se libère pour le shot. Donc voilà, bien joué, après il faut les qualités techniques, je vous rappelle, pour mettre la balle dedans. Donc on va faire ça, simplement, vous allez vous mettre une file derrière sans ballon, une file ici avec ballon, ok? Alors, je vais vous montrer un peu ce qu'on va faire. Et vite. Ballon ici. Allez, simplement le drill là, allez, go. Ah, ok, pas mal, go, allez, sur la paix. Voilà, donc c'est une situation où vous devez travailler à deux, évidemment. Voilà, ça, chaque fois on peut le faire en travaillant le shot comme ça. Ok, voilà, ça va, c'est, le but c'est pas de vous faire travailler. Voilà. Puis après il va y avoir la pénétration intérieure, par le dessus. Relation à l'opposé. Donc, je bats mon joueur à l'intérieur. L'aide, bien sûr, vient de ce joueur-là. Tu vas faire quoi? Tu remontes. Ok? Donc, dans le ici. Et on fait cette passe. D'accord? Cette passe-là, et tu vas prendre le shot sur le dessus. Ok? Allez, go, on y va. Pénètre à l'intérieur. Voilà. Allez, suivant, go. De relation, toujours en imaginant d'où l'aide peut venir, ok? Oui. Il faut toujours voir d'où la rotation va venir, la défense, ok? Ici on est dans un jeu à deux, donc en deux contre deux, si moi je joue défense sur lui, ok, la balle est là, évidemment je vais jouer en pistole, s'il bat son joueur, il le bat, je vais avoir tendance à vous aider ici pour le layup. Ok? Donc, le fait qu'il y ait un joueur là, ce n'est pas mauvais. Mais le fait de venir là, moi, c'est impossible. Si je suis ici, parce qu'en plus, on peut le faire en situation de conduite. Faites-le. Défense, attaque-défense. Attaque-défense. Ça va? Voilà, et t'es battu. Allez, attends. Allez, recommence. Tu es en attaque, tu es en défense. Ok? Elle? Ok, vas-y. T'es battu. Ok, recommence. Allez. Vas-y. Et... ok, stop. Recommence. Et tu vas aller dans le coin. Ok, allez, go. Allez. Ok, stop. Toi, t'as vraiment envie que lui marque. Hein? Parce que moi, je vais te dire sincèrement,
Moi, regarde, je vais jouer en défense. Tu te mets là. Et toi, là. Joue. Attends. Tiens-toi. Vas-y. Et tu défends, toi. Regarde où il va pas la jouer. Donc, c'est pas mauvais qu'il y ait un joueur là, bien sûr. Mais n'oubliez pas qu'on jouera à 5. Ici, c'est une relation à 2. Dès que je l'attaque, ici, j'aide l'axe impossible. Impossible de défendre. Si je suis ici et que lui vient et l'écarte, il ne va pas aller. Je suis ici dans l'airtime de la passe. Je peux encore jouer mon close-up. Que celui-là est plus difficile. Encore une fois, voilà. Il y aura quelqu'un. Dans un jeu à 5, il y aura quelqu'un. OK? Mais ça, c'est directement pour la relation à 2. Là-dessus, je suis pratiquement sûr qu'il y aura le shot qui sera pris. Et dans le basket, il n'y a rien qui est mauvais, de toute façon. OK. Maintenant, on va jouer, on va travailler relation à deux avec un joueur intérieur. OK. Il faut un big man ici. Voilà. Et on va parler, on va pas. Mettez-vous de ce côté ici, comme ça, tout le monde voit. On va pas travailler, je vous le démontre, parce que sinon, ça va durer beaucoup trop longtemps. Je présume que tout le monde a fait aussi. Ça arrive souvent dans les situations d'attaque en diamond, quand il y a une sortie d'écran, par exemple, on a le joueur à la balle et attaque l'anneau. Donc, faut pas avoir peur. Spécialement si vous avez un bon shooter ici. Si vous avez un bon shooter, faut pas avoir peur quand on sort d'écran comme ça. Attaquez l'anneau et le joueur, évidemment, qui est là, devra réagir. Donc, dans un premier temps, tu vas recevoir la balle et tu vas attaquer l'anneau, ligne de fond pour aller marquer à l'heure. OK? Toi, tu vas faire quoi dans ce cas-là? Ah, c'est comme un bon sens. Hein? Allez, go, on y va. En bas, vas-y. Mettez-vous par deux, mettez-vous avec un petit peu. Maintenant, donc, vous pouvez travailler ça. Donc, on va compliquer un petit peu. Pas en dessous d'un dos. Non. Toi, en dessous d'un dos. En dessous d'un dos. Tu places un étang pour lui. Tu sors. Dès que tu as la balle, tu pénètres. Vas-y. OK, stop. Voilà. Donc il va marquer à l'heure. Relation à deux, il pénètre, passe pour la shooter. Ça peut être fait des fois exprès. Je prends le cas de Charleroi, par exemple. Ils ont Page qui est un super shooter à 3 points. Moi, j'ai un joueur qui n'est pas mal non plus dans le shot à 3 points au poste 4. Si on veut utiliser des fois ces shots, créer, ouvrir, ça peut être là, ça peut être un peu plus en arrière. Je préfère encore quand c'est un poste 4 plus en arrière. Donner la balle, donc créer exprès, attaquer exprès pour libérer le shot. Comme ça, on sollicite l'aide du défenseur et on libère la shotter. OK, donc ça, c'est toutes des façons de pouvoir jouer avec un intérieur. OK, donc ça, c'est s'il y a attaque ligne de fond. Maintenant, on voit la balle, prends sous la loupe, tu places les temps encore. OK, et quand tu vas voir la balle, tu vas pénétrer par l'épaule de la raquette. OK, allez, vas-y. OK, voilà. Pas mal. Là, évidemment, je termine dans les up, ou s'il y a de l'air, passe. Et voilà. Si on a un big man, je préfère qu'il vienne ici. Short corner, c'est suffisant. Si on a un bon shooter, évidemment, un bon poste 4, on peut le faire sortir plus loin pour avoir un shot à 3 points. Mais ça, ce sont des relations, ça, ce sont des choses que vous devez travailler tout le temps. Il y a n'importe qui, que ce soit un ailier dans l'oppose, que ce soit n'importe qui, il faut travailler ses relations à deux. OK, puis il faut un intérieur, un joueur extérieur. OK. Donc ça, on a attaqué l'anneau. Maintenant, on n'attaque pas l'anneau, on a la balle, on donne à l'intérieur. OK. On donne. Il faut toujours faire quelque chose. OK. Mais des fois, il ne faut pas en faire trop. Donc, j'ai donné la balle à l'intérieur. Moi, toi, tu dois faire quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire? Soit dans le coin, soit... OK. Quand est-ce que tu vas faire ça? Quand est-ce que tu vas faire ça? OK. Ce joueur va là. Ce joueur va là, voilà. Je joue comme ça. Donc, il y a lecture tout de suite. En attaque, excusez-moi, tantôt on jouait à deux.
situation de pénétration, par exemple, passer la balle, le joueur qui a passé la balle savait qu'on allait shooter. Mais en match, il ne sait pas s'il va shooter ou pas. Il passe, après avoir une réaction, peut-être de libérer l'espace sur le côté, de façon à ce que s'il y a une attaque, et de pouvoir à nouveau en position. Je vous ai parlé de position, ça c'est important. Donc dans les relations à deux, des fois dans les drills de shot, on fait ça. À deux, à trois, pénétration. Chaque fois, essayer de créer un deuxième mouvement. Quand on a la balle, le porteur du ballon, quand il a le ballon et qu'il le donne, okay, 9 fois sur 10, on donne et on croit que le job est fini. Et là, c'est important d'avoir une deuxième action. Et la deuxième action, évidemment, il faut savoir lire la situation. Des fois, ce n'est pas grand-chose. C'est passer et simplement écarter d'un pas. Il faut chaque fois... Donc, toi, tu te dis, je vais aller là-bas, ou là-bas, ou là-bas. Toi, tu vas aller où le défenseur t'obligera d'aller. OK ? Donc, il y a une lecture. Parce que son défenseur est ici, passe à l'intérieur, va là-bas. Si je fais ça, il n'y aura quand même pas le ballon. OK ? C'est déjà bien d'avoir fait. Parce que pendant qu'il fait ça, si j'ai un intérieur qui est fort, OK, il va jouer soit un contre un et il va dominer. Si maintenant l'intérieur est dominant, qu'est-ce qu'on va demander peut-être en défense? La balle intérieure, de jouer, cover down, et là peut-être se libérer pour un shot. Okay? Exemple, Tofi à Alost. Tofi Kumar, c'est un modèle du genre. Quand Kumar passe une balle à Tofi à l'intérieur, 9 fois sur 10, il la reçoit pour un shot à 3 points. Ou, évidemment, on reste et alors Tofi termine à l'intérieur. Ce n'est pas du hasard. Mais il y a le fait d'analyser tout de suite. Qu'est-ce que le défenseur fait? Il peut faire cover down, il peut rester. Donc, dans cette situation aussi, où on fait cover down, il va mettre ce défenseur en difficulté. Soit en ouvrant sur le dessus, soit en ouvrant à l'intérieur. Si maintenant on joue dans une situation, et ça peut arriver, que le défenseur, notre pivot n'est pas nécessairement dominant, et que lui est un joueur dangereux en shot. OK ? Donc, si tu es dangereux en shot, tu vas passer à l'intérieur, qu'est-ce que le défenseur va faire ? Il va rester sur toi. Donc, à partir du moment où le défenseur reste sur lui, il doit faire quelque chose, une action. Et là, il pourra. Et s'il reste, plus je vais faire de la pression, plus ça sera facile peut-être de jouer un split et de peut-être aller marquer à l'heure. Là, ou baseline. OK ? Donc, chaque fois, bonne défense agressive. OK ? Je vais te punir puisque tu m'empêches de recevoir la balle là et je vais peut-être aller marquer à l'heure. Dans ce cas, de ce cas-là, on passe la balle et on joue split. Donc, vas-y, démontre une fois. Attends. Tu vas le faire complètement parce qu'on est en dessous d'un autre. OK ? Bien sorti. Respecter les espaces. Vas-y. Passe. Alors, faites attention, parce que vous voyez, à partir du moment où vous le dites ici, c'est bien, il n'y a pas de défenseur. Passe, quand lui a réceptionné la balle, il était déjà ici. C'est pratiquement impossible pour lui de recevoir la balle et de lui donner en même temps. Il ne faut pas oublier que pendant une seconde, la balle voyage entre vous deux. Donc, passez la balle et voir quand le timing est bon pour pouvoir... Quand est-ce que mon partenaire est prêt à me donner le ballon? Parce que si on lui donne la balle et qu'on va vite et qu'au moment où il reçoit la balle, tu es tout seul ici, c'est total. C'est total pour lui. Donc bien faire attention de travailler en relation. Quand il y a de la défense, vous voyez ici, on va vite. Passe, cut. Quand il y a une défense, il y a deny, il faut déjà le temps de donner. Mais surtout, ce qui est important, c'est de bien bouger après en fonction de la défense. OK ? Ça va donc ? Je présume que tout le monde a déjà travaillé ça. Ce sont des situations qui doivent se répéter chaque fois aux entraînements. OK ? Pas de questions ? Donc ça, c'est sur les relations à deux.
Ok, dans les situations à trois, petit bois, trois attaquants. Trois attaquants. Voilà, situation à trois, même chose. Qu'est-ce qu'on va faire, par exemple? On fait les faits, on fait les baseline, je dois faire, voilà. Et alors, tu peux décaler. On est une situation, on l'imagine à ça. Voilà, toujours pour avoir une information de passe. Si tu vas derrière lui, ça va être un peu difficile. Ok, donc, travailler dans la situation à trois, je vous répète par exemple, ne fût-ce que ça, regardez, passer la balle, passe, il ne chope pas, s'il ne chope pas, qu'est-ce que tu vas faire? Pour lui dans la ligne, c'est dur. Voilà, bouger. Lui, s'il y a pénétration, imagine que tu es là, pénètre par le milieu. Voilà, vas-y, pénètre. Voilà, peut-être voir si lui, tu vois, quand tu pénètres, ici, de donner la balle, peut-être pour lui, pour un shot, s'il a fermé. Tu as la balle, tu peux donner. Après ta passe, tu vas repartir, occuper le spot. Donc, situation à trois, vous pouvez travailler, même au niveau du shot, des situations comme ça, où on les oblige à créer un deuxième mouvement. Hein, ils ne chopent pas quand ils veulent. Situation où je pénètre, je passe, je regarde pour le shot, mais si le gars ne chope pas, je fais quoi ici? Ah, je vais dire, ah, il n'a pas shoté, donc maintenant je vais partir, c'est trop tard. Toujours essayer d'avoir un temps d'avance. Ok, donc dans les situations à trois comme ça, avec un low post, donc on peut travailler une situation avec un low post aussi. On va prendre l'exemple, tiens, tu es là, mets-toi low post là-bas, mets-toi tout à l'heure. Donc la situation, vous êtes en tour, en diamant par exemple, vous avez une situation de 7 suites, vas-y, tu sors, passe. Ok, attends, joue ici. Donc après, situation à trois, voilà, il faudra voir. Toi, tu dois voir ce que lui va faire. Ok? Donc, tu passes, tu as passé la balle, et regarde ce qu'il fait, parce que pour l'instant, tu ne sais pas. Ok? S'il donne à l'intérieur, on pourra. Et vous, ça, c'est les coachs qui vont décider. Il pourra peut-être couper à l'opposé. Si lui joue le split, il faudra peut-être venir chercher le ballon. Ok? Donc, vous pouvez travailler ça en relation à trois joueurs. Donc, ce qu'on a fait tantôt à deux, vous ajoutez un joueur et vous le travaillez à trois. Ça va? Donc chaque fois, ce qui est important, par exemple, là, je vais dire, je passe ici, ok? Et toujours le split sur le dessus. Ok? Voilà, comme ça. Il faut qu'un joueur vienne chercher côté ballon. Ok? Donc il y a des rotations à faire. Et on va voir après tout ça, quand tout ça est situation à 5, 4 contre 4 ou 5 contre 5. Ok? On va jouer, il faut 3 blancs et 3 noirs, 3 blancs en attaque et 3 noirs en défense. Et là, on va travailler donc en situation maintenant de 3 contre 3. Le défenseur 3 et. Ok. Situation 3 contre 3. Ici, je leur interdis de placer des écrans. Ok? Donc ça veut dire qu'ils doivent absolument créer, battre le rôle, marquer, créer en pénétration, libérer pour un choc, ok? Faites attention, les blancs, de bien respecter les espaces. Donc on ne fait pas d'écran. Par contre, il peut y avoir des situations post-up. Donc si par exemple tu viens, on a la balle et on applique ce qu'on vient de voir, ok? Donc si la balle est là, par exemple, et qu'il pénètre baseline, tu sais que tu dois aller dans le coin, ok? Donc on a une situation 3 contre 3 où on applique ce qu'on vient de voir. Et on peut avoir cette situation poste. Allez, jouez. Ok, pas mal. Pas mal, déjà, bonne réaction, pénétration. Faites bien attention les positionnements. Donc, tu vois, sprint, vitesse. Ok, il faut être libre. Les gars, si quand vous êtes en possession du ballon, le joueur à l'opposé joue en dinaire, vous avez des situations incontrôlables, il faut les utiliser pour marquer à l'air. Hein. Ok? Allez. Très bien, encore, allez. Allez. Bien joué. Allez, bonne lecture. Ok, stop. Vous voyez, c'est pas mal. Ici, quand il a pénétré, si au lieu de descendre, là, si tu avais fait ça, tu avais le shot ouvert.
Je sais que ce n'est pas facile, mais vous pouvez voir, par exemple, les situations de dernière possession de balle. Hormis, on fait des écrans maintenant, le flair suit. Mais situations, quand vous avez un bon joueur de 1 contre 1 ici, ce qui se passe souvent, on se trouve dans cette situation-là, par exemple, ou c'est des situations de 1 contre 1 ici, parce qu'il n'y a pas d'écran. Tu fermes à droite. Tu fermes. Voilà. Et il va pénétrer ici. L'aide va venir d'où? Ok? Voilà. S'il va dans le coin, il peut venir et venir. Si quand il pénètre, il sollicite la défense, et que lui ici, c'est un bon shooter, et fait ça, simplement, recevoir, il a le shot à son point. Et regardez dans les situations de fin de possession de balle, ça arrive souvent. Maintenant, on ajoute souvent en plus un flare screen, des écrans, mais ça arrive souvent. Quand on a un bon shooter à opposé, que lui ait envie, montre qu'il veut aller marquer à l'heure, dès qu'il y a de l'aide, venez. Tantôt, ils l'ont fait, encore une fois, ce n'est pas une erreur, vous enseignez ce que vous voulez, ok? Mais quand il pénètre, s'il lui vient pour arrêter là-bas, s'il monte là, c'est impossible. Si quand je viens, parce que je suis là, je viens, passe, durant cette passe, je pense que le gars peut encore jouer close-up. Ok? Jouez. Encore. Allez. Bougez. Jouez à contre-là. Jouez à contre-là, on veut marquer un lay-up. Un contre-là, il faut uniquement des lay-up, les gars. Un contre-là, allez. Allez. C'est pas mal, si tu as ça contre-là, il faut marquer ça. Après, tu dois sortir de là avec un panier ou bien. Vous voyez, ça c'est la différence. Si on joue avec des Américains, avec ça, c'est, chaque fois c'est dedans. C'est là qu'ils nous dominent. Situation comme ça, ils sont dominants. Ici, situation 1 contre 1, il n'y a pas d'aide. À partir du moment où il y a de l'aide, il faut passer là-bas. Mais bien sûr, ici, voilà, il n'a pas dominé, il n'a pas marqué. Mais si on domine, si le joueur à chaque fois marque un lob, vous croyez que lui va rester en défense sur son joueur? S'il reste en défense, c'est qu'il est complètement. Hein? Excusez-moi, mais. Donc il va aider, et à partir du moment où il y a de l'aide, il faut libérer. Ok, ça c'est situation 3 contre 3, où on ne demande pas l'écran. Ok, où il y a, premièrement, ce qui est bon, c'est de travailler la créativité, parce que c'est ce qui manque à nos joueurs. Ok, des situations de 1 contre 1 comme ça, il faut marquer ça. 1 contre 1, il faut y aller, il faut marquer ou ça doit être faute. Chaque fois. Ok? Et s'il y a de l'aide, après, il faut réaction. Donner la balle au joueur qui est libre. Donc, bonne situation à travailler. Puis après, donc c'est du 3 contre 3, tout le monde en fait. Ok? C'est interne, pas d'écran. Ok? Maintenant, on va jouer, et vous allez voir que ça, c'est compliqué, mais archi compliqué. Ok? Vous allez faire des écrans hors ballon. Donc, pas d'écran sur la balle. Ok? Jouer et je veux qu'on fasse au moins un écran hors ballon. Sauf si on est capable de battre jouer directement contre un, pas de soucis. Ok? Allez, on y va. Et encore, allez. Très bien, voyez. Bonne lecture. Il y a un écran qui vient à l'opposé. Lui, il se dit, le coach a dit qu'il faut avec l'écran, donc l'écran va venir, on va anticiper, il a battu en backdoor. Très bien joué. Allez, on y va. Encore. Allez. Écran au ballon. Écran opposé, il n'y a pas d'autre type d'écran que vous pouvez utiliser dans le jeu à 3. Donne-lui la balle.
par exemple, vous avez vu, Dayu, cet écran où passe, il va. Pourquoi ne pouvait pas il y avoir cet écran où passe, je viens, et toi tu mets l'écran. Ok? Tu mets l'écran, tu n'utilises pas. Ok? Donc on va faire ça simplement. Ok? Tu passes et tu ramènes l'écran. Je commence. Donc tu es côté ballon, tu as empêché ton joueur de marquer, mais tu as accepté les deux points que tu joues pas avec en équipe. Donc, bien sûr qu'il y a des consignes à prendre. Côté ballon, pas trop d'aide, et ainsi de suite. Mais dans tous les cas, si tu es côté ballon et que ton joueur il défend, imagine il tombe, et l'autre va marquer à l'heure. Tu as dit, coach, côté ballon, je ne vais pas. Ton but, c'est d'empêcher de marquer. C'est juste. Alors après, côté ballon, on n'aide pas. Mais si tu es un bon joueur et que tu es venu aider, et quand il y a la passe, tu es venu reprendre, c'est ce que ton coach va dire. Super, tu viens, tu peux continuer à jouer. Parce que le but, on l'a pas encaissé. Ok? Allez. Ok. Je demande des attaques avec écran hors ballon. On en fait un, puis c'est terminé. Ok? Alors, on va compliquer un peu ça. Tu vas donner la balle, tu vas faire un fair screen, tu vas utiliser, ok? Et on va, vas-y, appuie, je vous dis, vas-y, passe, fais écran. Voilà, je sors, passe, et viens mettre un écran, cours, viens mettre un écran, voilà, ici par exemple, voilà, t'es ici. Toi, qu'est-ce que tu vas faire s'il y a un écran comme ça? Oui. Voilà. Tu mets un écran là, et tu continues sur le dessus. Ok? Allez, on y va. Moi, je laisse à l'improvisation. Je leur demande de mettre des écrans comme ça. C'est atroce. Il n'y a pas un joueur qui sait jouer sans ballon, placer des écrans. Il n'y en a pas un. Ou alors, il y en a qui vont faire ça. Écran, écran et réécran. Mais jouer en plaçant des écrans hors ballon, c'est une catastrophe. Vous pouvez essayer avec Thibaut. Tu peux essayer avec ton équipe. Tu vas voir que c'est... C'est incroyable, c'est très difficile. Ça veut dire qu'il faut réfléchir à un certain moment. Évidemment, il faut aller placer le bon écran. Ok, allez, vas-y. Très bien, vas-y. Vas-y. Allez, on continue. Vous voyez, difficile de passer à l'écran. Je prends les noirs en attaque, Ok. Tu vas l'envie de ce côté. Ok, tu vas. Faire un cross-screen. Viens ici. Voilà. Et quand tu vas utiliser. Ok. Tu vas aller par là. Tu vas remonter. Ok. Passe. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut faire des écrans. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Il faut faire des écrans. Soit tu mets un écran, soit tu es là et toi tu lui mets un cross-screen et c'est lui qui sort. Ok. Donc, les habitués à travailler comme ça avec des écrans hors ballon. Après, je vous dirai le pourquoi. Et pourquoi ça ne marche pas à certains moments? Allez, on y va. Ok. Allez, c'est pas mal. Voyez le problème. C'est qu'après, la difficulté, c'est que on focalise l'attention des défenseurs. On place des écrans. Mais le joueur qui a reçu le ballon ici, la difficulté, c'est de voir les situations des camps, mais ne pas oublier qu'il y a une situation de 1 contre 1. C'est plus facile de jouer dans cette situation-là, quand il y a par exemple des écrans, de jouer pénétration 1 contre 1, parce que l'aide sera plus difficile, puisqu'ils sont en train de défendre sur les screeners. Ok, donc pas oublier de jouer vos situations 1 contre 1. Allez, on y va, une fois. Thank you.
situation 1 contre 1, t'as joué situation 1 contre 3. Mais lui, il est côté ballon. Il a bien défendu, tu vois. Côté ballon, il a gagné la balle. Ok, je vais pas m'étendre. Question ou pas question? Donc, situation 3 contre 3 avec des écrans hors ballon. Super important de travailler. Essayez après d'avoir des situations. Vous pouvez partir avec. Mets-toi ici. Mets-toi ici. Vous pouvez partir des fois à vous avec des situations où il y a déjà un premier écran. Voilà, on va faire le flex cut par exemple. Tu es ici, tu vas utiliser l'écran soit en bas, soit au-dessus. Ok, on peut partir avec une situation comme ça. Là, on va le faire. Et toi, tu vas descendre et tu vas utiliser l'écran. Ok? Toi, tu vas dribbler à l'opposé. Avec toi, tu fais un écran sur. Ok? Donc, on y va, vas-y, dribble. Ok, stop. Vous voyez? À l'opposé, il a passé la balle. Passe, et il a regardé son partenaire, il va faire quoi? Il fait quoi? Donc, c'est ça la difficulté. Passe, je peux ouvrir éventuellement. Parce que si tu as fait ça, passe. Bon, si je joue Dinal, il peut jouer un contre 1, il n'y a pas d'aide. Si tu passes et que tu le regardes, ton joueur ici, tu l'as mis en position idéale pour jouer en défense. Il joue pistole, il contrôle le ballon et il contrôle en même temps. Donc c'est pour ça que je disais, un deuxième mouvement, il ne doit pas être exagéré. Ou, passe, je reste sur moi, je passe, je vois qu'il est comme ça, je vais faire un écran. Ou, j'écarte à l'opposé, lui me met un backpick, ok? Mais je focalise l'attention du défenseur. Ne pas s'arrêter. Ok? Allez, go. Pourquoi t'arrêter de jouer? Alors, c'est bien. Je corrige. Au top, lui fait quelque chose, et toi, tu es venu ici, toi, tu arrêtes de jouer, tu regardes ton partenaire jouer. Donc, toujours faire quelque chose en fonction du ballon. Il ne faut pas non plus, c'est sûr, il est venu, il doit voir s'il y a pénétration et qu'il est en train de remonter, son job c'était peut-être d'aller dans le coin. Donc, il faut toujours jouer en fonction du ballon. C'est pour ça qu'il faut aller vite, qu'il faut lire et reconnaître la situation le plus rapidement possible. Ok? Tu feintes et tu vas sur le top. Ok? Allez, go. S'il avait été un peu plus haut sur la pénétration, je suis sûr qu'il y avait le shoot ouvert. Ok, mais bon, voilà. Ce sont des réflexes à avoir. Ok, donc travaillez ça, des situations à trois. Vous pouvez mettre des thèmes dans les écrans. Vous pouvez utiliser le flex screen, back screen, down screen, ce que vous voulez. Flex screen. De temps en temps, il faut les laisser jouer. Les laisser jouer. Vous donnez le thème et après, c'est eux qui appliquent. Ça leur permet de réfléchir. Ça, c'est important de pouvoir dire, tiens, la balle est à l'opposé, il y a deux joueurs, je fais un écran, on fait un écran l'un pour l'autre. Pourquoi je le fais? Vous voyez? Mets-toi avec la balle, mettez-vous ici en attaque, un attaquant là-bas, un attaquant là-bas. Ok, vous voyez, on est dans des situations, par exemple, défensives comme ça. Ok? On imagine que ce joueur-là est un super shooter. Ici, c'est un big man. Un big man ou un poste 4, pas nécessairement grand shooter. Le joueur qui est là va utiliser, on va voir après, un ball screen. Où il joue à ce moment-là. Il joue même soit contre un. On peut utiliser le flare sur ici. Allez, tout dépend. Voilà, le défenseur est là. Si je suis un grand shooter, un bon shooter, peut-être j'ai intérêt à rester ici. Si maintenant je ne suis peut-être pas un bon shooter, qu'est-ce que je dois faire? Ça arrive toute la zone, c'est la même chose, toute la zone. Ma qualité première n'est pas nécessairement le shot, ok, pourquoi ne pas aller mettre un écran pour libérer, essayer de libérer un shooter. Ou, en tout cas, attirer l'attention des défenseurs à l'opposé de façon à éviter l'aide. Ok, ça c'est un des buts aussi quand on joue sans ballon, c'est de pouvoir éviter, empêcher le défenseur d'être en aide trop facilement. Ok, on va travailler cette situation avec le ball screen. Ok, voilà, tu prends la balle, tu mets la balle. Ok, mets-toi ici, et tu te mets dans. Mets-toi dans le fond,
favoriser la Wall Street, comme ça, en utilisant donc la pénétration intérieure. OK? Pénétration intérieure, après, uniquement, tu vas enlever l'intérieur. Ça va? OK? Allez, bon, on y va. Elle va en vivre. Elle va en vivre. OK, stop, stop. On commence. Et vous les marquez ou pas? Hein? Je veux vous marquer. Hein? Tu mets ton écran. Un joueur qui place un bon écran, un big man qui place un bon écran sur un pick and roll, 9 fois sur 10, c'est lui qui termine à l'intérieur. 9 fois sur 10. Tu as placé un écran pas trop mal et tu n'as pas terminé. Tu sais pourquoi? C'est parce que tu es venu, tu as placé ton écran et tu t'es retourné comme ça. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu viens, tu places ton écran et tu cours vers l'autre. Toi, tu utilises l'écran. Ton but, c'est quoi? Si tu utilises l'écran, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux marquer. Allez, on y va. Allez, allez. Allez, recommencez. Recommencez, il n'y a pas d'écran. Là, il n'y a pas un bon écran. Et tu n'as pas bien utilisé. Tu vas, tu utilises, tu pars. Allez, on y va. Allez. Allez, allez, allez. Pas mal, il est dit. Bon, je fais de l'anneau. Faire ça, c'est compliqué. Va en vivre. Va en vivre. Va, va. Voilà, faire ça, vas-y, go. Ça et ça. T'as dû faire, c'est difficile. Ben fais-le alors. Allez, go. Allez, 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 utilise, utilise. Ouais, quand même. Quand même, que je garde. Place un écran, tu plonges. Toi, tu utilises l'écran, tu chantes. Ok? Tu chantes. Pourquoi tu ne vas pas chanter? Quoi? Ok. Mais avant de switcher, parce que vous parlez de switcher, ça c'est déjà, c'est reconnaître une situation. Si vous ne la jouez pas déjà au départ, c'est parce que on est décidé de switcher. Vous jouez, vous marquez. S'il switch, après on pourra reconnaître la situation. Ok? Toi, ton but c'est d'utiliser et de marquer. Parce qu'à un certain moment, ils vont switcher, vous pouvez se retrouver à deux sur ce joueur-là, et c'est toi qui vas être libre. Et pendant ce temps, tu vas dire, ils ont switché, je voulais passer à l'intérieur. Ton but c'est de marquer. Chanté. Après, c'est bien joué, tu vas passer à l'intérieur, c'est ce qu'il fallait faire. Ok? Allez, on y va. Allez. Allez, allez. Recommence. Va vite en dribble, un dribble ou deux, utilise les temps. Allez, n'hésite pas, tu sais le faire. Go, tu places ton écran. Allez, va passer les temps. Go, 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 go. Allez, go. Allez. Pourquoi vous jouez avec un boulet au pied? Tu vas deux dribbles sur le côté. Il met l'écran, tu le dribbles de ce côté-là, c'est compliqué à faire. Toi, tu places l'écran, tu plonges à la nose, c'est difficile. Allez, allez, allez. Allez. Alors, ils ont switché. Vous voyez, les gars, comme on leur bourre le crâne, les informations. Switch. Mismatch, on va l'utiliser. Ok, mais faites-le dans les bonnes conditions. Ils ont fait quoi comme défense pour l'instant? La défense des fainéants, des gros fainéants. Ils ont switché. Parce que lui, défense celui à l'intérieur de la raquette, c'est un suicide. Ok? C'est juste ou pas? Maintenant, c'est pas un suicide parce que lui, en attaque, il se contente de rester ici avec la balle. Pourquoi tu n'as pas su la balle ici en dessous d'anneau? Si tu le sois la balle ici en dessous d'anneau, il est mort, voilà. Ici, il peut encore t'empêcher de marquer. En dessous de la loue, il ne sait pas. Recommencez ça, reste ouvert. Allez, go, go, hey, allez, 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 allez. Pourquoi tu n'as pas été marqué à l'heure? Pourquoi tu n'as pas été marqué à l'heure? Pourquoi tu n'as pas dribblé et allé marquer à l'heure? Explique-moi pourquoi, dis-moi. Allez, recommence. Allez, 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 allez. Ça va, stop. Vous voyez, il y a trop de choses inutiles. Vous oubliez l'essentiel. Tu dribbles d'un côté, tu viens, tu marques. Tu as la chance d'avoir un écran. Et tu ne l'utilises pas.
Parce qu'il suffit de jouer des situations un contre un, c'est suffisant normalement. Regarde, la différence entre les Belges et les Américains, c'est ça. Hein. Vous mettez deux Américains là, la défense, elle perd la tête. Hein. Le problème, c'est que nous, on est tellement faibles offensivement que la défense a toujours raison. Vous voyez ici, ils switchent, ils ne savent pas ce qu'ils font en défense, ils switchent. Mais le problème, c'est que lui, quand il vient ici au départ, il vient, il dribble, il n'a pas l'intention de marquer. Ton but, quand tu es là, c'est d'aller marquer. Ça, c'est la première des choses. Tu donnes la balle à un Américain, t'as vu, c'est bien ça. Le jour où tu joues avec des Américains, ce que tu vas faire, et tu vas leur passer la balle, eux, ils vont jouer. Deux fois sur 10, c'est comme ça que ça se passe. Tu vois? Donc, quand tu as la chance de jouer sans Américain d'avoir la balle, pense à jouer. Hein? Allez. Je ne vais pas les corriger parce que bon, voilà. Si vous faites un but 90, comment on va arrêter cette pénétration? Imaginons que nous avons le meilleur meneur que puisse y avoir, Tony Parker là, il utilisait quand, comment on va l'arrêter? Comment on va arrêter le meneur? On lui coupe la jambe? Quoi? Ah, on joue Edge. Tu l'as fait? On doit l'arrêter, on ne joue pas Edge. Il a raison de ne pas le faire, parce qu'il n'utilise pas les corps, donc résultat, ça sert à quoi d'aller jouer Edge. Si c'était pour contenter le coach, parce que le coach a dit qu'il faut jouer Edge. Donc là, il a eu raison. Si vous jouez du 3 contre 3 libre et qu'il y a un écran, tu dois battre, chaque fois qu'il y a un écran, tu dois battre le joueur. Et quand tu le bats là-bas, c'est parce que lui aura peut-être joué Edge. Et quand il y aura Edge, à ce moment-là, il y aura autre chose à faire. Et c'est vers là qu'il faut en arriver. Alors, les consignes à la WUB, j'ai compris que ball side, pas d'air. Ça, j'ai compris. OK? Mais ici, c'est pas d'air du tout, quoi. C'est pas d'air du tout. Parce que lui, ici, il est dans le coin. Déjà, reste ouvert, parce qu'un joueur, un attaquant, il est bien large. OK? Et quand il bouge, son joueur est toujours sur lui. Donc, ça veut dire qu'on accepte le jeu à deux, derrière. OK? Si vous avez deux bons attaquants, jeu à deux, chaque fois, c'est une solution de choc. OK? Donc, tu vas faire la même chose, va doucement, vas-y. Allez, défonce-lui. OK? Tu vas mettre l'écran. OK? Attends, reste ici. Utilise l'écran. Et là, joue Edge. Vas-y, reste. Dip. Voilà. OK. Hein? Je te regarde. Je te regarde simplement. Il a la balle là. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu vas faire? OK, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Donc, pendant une fraction de seconde, si on joue Edge, ce joueur-là est libre. OK, ce qui veut dire que si moi, OK, je vais rester en défense sur lui parce que c'est Michael Jordan et que j'ai pas envie qu'il marque, il ne marquera jamais. Je fais la passe, voilà, et lui va aller marquer. OK, et comme je suis un peu plus malin quand même, et que je dis Michael Jordan, son ballon n'a jamais marqué, donc je me dis, tout compte fait, si c'est lui qui a la balle ou qui va recevoir la balle, il faudrait peut-être que j'aide un peu. OK? C'est ce qui arrive dans des situations à trois, sur des ball screens. Encore une fois, ce n'est pas toujours le cas, mais vous pouvez voir qu'il y a aide et reprendre. OK? Donc, on va faire cette situation-là, où tu vas venir, tu vas jouer un peu edge, un peu plus dynamique, là, dans le edge. OK? Toi, ton écran, quand tu as l'écran, tes pieds, il ne faut pas les laisser coller au sol. Tu viens et tu plonges un anneau. OK? Allez, go. OK, stop. Voilà. Voilà à quoi on est arrivé. C'est qu'à un certain moment, le défenseur ici, bien sûr, il est côté ballon, donc il contrôle. Certains vont demander de jouer en dynamique. Faites attention parce qu'il y a le vecteur. D'autres vont demander de réduire les espaces, jouer peut-être un peu d'inaï ouvert et avoir toujours une vision, de façon à pouvoir aider. Parce que si on joue Edge de ce côté-là, okay, chaque fois qu'il y a eu que le joueur est ici, ce joueur va avoir tendance à aider. Parce qu'encore une fois, s'il reste à l'intérieur, il y a la relation. Okay?
Donc, à partir du moment où le joueur aide, et c'est pas mauvais, c'est bien, t'as vu? Bien, il a pris un shot, il a pris un shot forcé, pratiquement. Ok? Donc, on peut aider, la balle revient, et c'est une situation, parce qu'on parle d'attaque, où on essaie de créer sur le ball screen, ok? Sachant que l'aide va venir de ce côté-là pendant une fraction de seconde, sur le edge, cette passe sera peut-être possible et il y aura la relation. Maintenant, on peut l'arrêter en défense parce qu'on peut jouer edge, revenir et dans l'airtime de la passe, les défenseurs bougent. Hein. C'est pas pour ça qu'on est battu. Hein. Ok? Mais en attaque, c'est ce qu'il faut se dire. J'utilise les camps. Bon, ils jouent edge, ils m'empêchent. Ici, je regarde directement pour donner la balle pour avoir la relation avec l'ailier et l'intérieur. Ok? Pas de questions? Ok. Ça, c'est une situation où le joueur, vous voyez, regardez où il est. La ligne des 6,75 on l'a faite pour favoriser l'attaque. Voilà, le joueur dort. Hein? Toi, tu as reculé un peu, il a reculé. Donc, s'il ouvre, il y a de la possibilité pour l'attaquer à l'air. Ok? Donc, bien respecté, ça veut dire encore une fois cette relation, meneur, l'ailier remonte, passe intérieur. Maintenant, on va voir la situation, c'est pour ça, lui doit lire, il doit regarder. Si son joueur joue en dynamique sur lui, bien sûr qu'il doit focaliser sur l'attention et laisser la situation à deux. Et là, on va punir le défenseur là en disant, ah, t'as voulu défendre sur moi, mais quand derrière toi, il était marqué à l'heure. Ok, maintenant, on va faire la situation triple là, ok. Tu fais, ça va pas trop loin. Ok, tu vas placer à l'écran, ok, tu vas utiliser, ok, vas-y, utilise, et tu vas sortir, tu vas jouer au parc. Non, tu viens, toi tu viens ici, ok, et tu vas, c'est bien, tu vas vouloir jouer edge, tu vas l'attaquer, et toi tu vas donner la balle, ok, enfin, tu vas lui donner la balle. Vous défendez, qu'est-ce que tu fais dans les 6,75 Allez, go. Là, ça va l'écran, il ne faut pas. Allez, on ne va pas faire ça 10 fois. Allez, l'écran, utilise, il ne faut pas. Voilà. Ok, eh bien, lui, c'est Michael Jordan, il ne marquera jamais. Lui, il ne marquera jamais. Ah, lui, c'est sûr, hein. Attends, il n'a jamais eu la balle, donc il ne jamais marqué, hein. Puis on va dire, coach, vous voyez, je défends bien, moi, mon joueur, il n'a pas marqué. Fais ça correctement, ok. Tu utilises bien l'écran, tu passes bien par l'écran. Utilise, allez, viens, allez, le dribble, allez, passe la balle après. Allez, recommence, un peu plus agressif, là. Allez, go. Allez, attaque. Passe. Ok. Donc, ah, parce que lui, quand tes ballons n'est pas bien. Tu vas faire la même chose et tu vas attaquer la l'autre au calme. Et toi, tu joues edge. Hein? Allez, go! Allez, go! Ok, stop. Ok, bon, on va parler de la défense. Et tant mieux s'il laisse coller à lui, parce que si j'ai un 4 qui shot ou qui s'est pas défait, il va marquer beaucoup de panier. La balle est là. Ce qui est important, les gars, et lui, il doit être dangereux. Il doit appeler la balle. Il a joué pop-out, il faut garder les espaces. Pourquoi? Parce que ce joueur-là, qui défend bien, en principe, sur l'écran pop-out, il doit être prêt à aider, à faire, ou peut-être faire la rotation complète. Parce que si le joueur ici joue edge complètement, avec des joueurs qui sont agressifs et qui passent la balle, il a un quart d'heure pour sauter. Et s'il a un quart d'heure pour sauter, le joueur qui est là, reposé, devra soit dire mon joueur ne marque pas et je reste et l'autre va marquer, c'est pas mon problème. Soit dire je joue collectif défense, il a la balle, sortir et peut-être couper cette passe parce qu'à un certain moment il y a une situation de 2-1. Mais la réaction quand elle est importante, c'est du joueur, l'attaquant, si vous voulez voir, c'était la réaction des attaquants, pas des défenseurs. Ok, donc situation de edge comme ça, relation à 3, ok, pop out pour le shot. S'il y a pop-out, rotation, ok.
Tu vas le faire. Regarde. Tu vas mettre ton écran ici. On va essayer. Pas compliqué. Toi, tu vas aller là. Tu vas bien dribbler là. Tu vas sortir ici. Ok? Tu vas recevoir la balle et tu vas regarder ton partenaire dans le coin. Ok? Et toi, tu es pendant un certain moment. Regarde. La balle est là. Tu dois te coller à lui. Ah, allez, mets ton pouce défensif. Allez, go! Bien sûr, sur le ball screen. Là, c'était écran, attaquer le big man, donner pour créer, pour avoir un shot ouvert. S'il y a rotation et que ça passe dans le coin, ok, le but, donc c'est d'avoir ces relations à trois. Ce qui est important, c'est pour le joueur, ici, d'être toujours dangereux. Ok? Tu es là, vent rip. Ah, ok, stop. Regardez ce joueur. Ici, pour l'instant, il est là. OK? 9 fois sur 10, les joueurs, quand ils jouent, faites l'expérience et regardez. Et quand je vous dis Rudy Fernandez qui réussit les backdoors, vous savez pourquoi? Parce que quand on vient en transition, l'attaquant court là, et le défenseur, il est là, et il s'arrête ici. Le défenseur, il n'a pas joué contre la baisse là. Il s'arrête. OK? Et à un certain moment, il perd la vision. Ça arrive souvent sur les attaques. On appelle le double cross speed, où le meneur triple. Vient et l'ailier qui est ici regarde la balle et l'autre joue le bec d'or et marque à l'air. Ça arrive souvent parce que le défenseur ici, à certains moments, regarde la balle. Mais bien joué de l'attaquant. Il y a des attaquants qui ne marqueront jamais parce qu'ils n'ont pas cette lecture, ils ne savent pas voir ça. Ok? Donc ici, c'était relation à trois avec l'écran sur la balle. Maintenant, donc, il y a Roll Inside, il y avait le pop-out. Toujours avec la situation de Edge, ok, on imagine Edge. Maintenant, mets-toi à l'opposé. Toujours relation à 3. Tu vas dribbler là-bas. Tu places l'écran. Voilà. Et tu pénètes. Ok, donc on est situation à 3 à l'opposé. Vous avez un joueur à opposé. Et lui, qui soit côté ballon, quand on pose le ballon, il a décidé de ne pas le faire marquer. C'est juste, hein? Hein? Ah, allez, on fait ça? Go, allez, vite, 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 vite. Ok, là, ils ont fait une grosse rotation. Elle n'est pas nécessaire, la rotation. Tu viens aider sur la pénétration, c'était pas mal. Donc, faites attention, relation ici. Ce que je voulais dire, c'est qu'à un certain moment, si on est à 4, il y a l'écran sur la balle, il y a un joueur qui est là, il y a un joueur qui est à l'opposé. Toujours avoir un joueur disponible à l'opposé, ça c'est important. Timing, ça peut être le 5 écran, ça peut être un poste 4, ça peut être un ailier, ça n'a pas d'importance. Mais toujours avoir un joueur qui vient en double distribution de façon à pouvoir recevoir la balle et servir le big man inside. Ou s'il y a eu rotation complète, d'avoir l'extra passe dans le coin. Toujours avoir un joueur. Et ça, c'est important. C'est important, vous allez voir après. Dans le jeu à 5, Thibaut, excuse-moi si je déborde un petit peu, c'est pas grave. Donc, après, dans le jeu à 5, même à 4, vous allez voir, on pourra créer quelque chose à l'opposé. Je vous ai dit, on travaille avec des écrans, par exemple. OK? Mais on pourra peut-être, quand il y aura le ball screen, faire ici un flare screen pour libérer le joueur, de façon à monopoliser l'attention des défenseurs et éviter peut-être l'aide sur les défenseurs qui jouent le ball screen. Mais tout ça devra être fait avec un bon timing. Si je viens, si au moment où il pénètre, j'arrive à faire mon écran ici, alors que je devrais être en position de recevoir le ballon, c'est bien d'avoir fait quelque chose à l'opposé, mais ça ne sert à rien. Donc il faut qu'il y ait vraiment un bon timing, une bonne coordination. Et c'est pour ça qu'après le coach intervient. Et que dans certaines situations, on va provoquer un flare screen ou un back screen ou un down screen à l'opposé. Okay? Mais ça, il faut l'organiser. Ou avoir un joueur intelligent qui, par exemple, quand il voit le meneur décalé là-bas, qui sait qu'il va avoir un ball screen, prépare déjà
son écran pour les lier sortir. Et lui, au moment où on utilise l'écran, pouvoir sortir et avoir cette relation. Ok, donc ça c'est très important d'avoir cette relation entre les joueurs. Donc ici, la situation, tu vas faire la même chose. Vas-y, écran. Écran. Voilà. Alors, voilà. Il y a deux situations. Vous voyez, il doit pouvoir donner la balle là. Toi, tu as la balle. Soit tu vas à l'intérieur, soit il va vers l'extérieur. Donc il peut jouer pop-out. Ça aussi avoir la réaction quand il vient. Ne joue pas trop edge parce que comme ça. On utilisera souvent, on utilisera ça, renversement de balle, surtout sur des écrans à plat. Okay, quand on vient à plat, on arrête le porteur du ballon. Ça veut dire que pendant une seconde, on empêche le meneur de pénétrer, mais on perd un peu le contact avec son big man. Pendant ce temps-là, si on passe la balle, le big man doit plonger et gagner un peu d'avance sur sa défense. Il y a la situation ici, écran, où il y aura pop-out, okay, d'un côté, avec, mais ça on l'a vu tantôt, la quête ça passe dans le coin, ou relation à l'opposé, à 3. Okay. Il y a donc le type d'écran comme ça, vers l'intérieur. Maintenant, il y a le type d'écran aussi qui va vers l'extérieur. Donc, tu as la balle, tu te mets à l'épaule de la quête, voilà. Et tu vas mettre un écran, ici, tu vas utiliser. Tu voles, voilà. Et là, vous voyez, voilà, lui a fait pas mal. Vous voyez dans cette situation, si lui reste à l'opposé, son défenseur a bien joué. Il a aidé un petit peu, malgré qu'il y a encore switch là-bas. Hein. Défense des fainéants, hein, les gars. Switch. Ok. Toi, qu'est-ce que tu devais faire? Voilà. Bouger, il dit toujours avoir cette relation. Parce que si lui a aidé comme ça, s'il y a une bonne défense, il n'y a jamais cette relation pour donner intérieur. Ok. Donc, on va le faire. Vas-y. Stop. Voilà. Vous voyez, faire attention de respecter les espaces. T'as vu où tu as été? Je t'ai dit, tu viens, double distribution. Ok? Et tu dois venir, donc il dribble. Ok? Quand tu l'utilises l'écran, lui va plonger, ton joueur il va être en l'air. Et quand il est ici, il doit monter de façon à recevoir la balle. Ça, c'est le timing qu'il faut avoir. Ok? Donc tu vas aider à l'intérieur. Allez, go, Lyon, allez. Ok, allez, on essaie de respecter les consignes. Allez, go. Allez. Hey, recommencez, allez. Il y a moyen de taper d'agressivité, il n'y a pas de bon, quoi. Il commence à m'énerver, hein. Allez, utilise l'écran, go. Allez, inside, allez. Ok, stop. Allez, on reprend, je vais expliquer la note. Allez, go. Et les gars, il faut vous réveiller, là. Ici, tu dribbles, tu dois mettre toujours dans l'écran, ok. Donc, tu dribbles, tu viens vers lui, tu places un bon écran. Voilà. Pendant une fraction de seconde, lui est battu. Tu dribbles, là. Ok, pour le mettre lui en problème. Donc, je sais bien, mais alors, dribble, mais lui, ils ont switché, tu peux faire quoi? Tu peux donner et tu peux dribbler en arrière, garder le ballon et avoir le mismatch extérieur pour pénétrer. Hein? C'est juste, alors il faut être agressif, tu vois, venir. Les gars, je ne vous demande pas de switcher. J'ai dit, c'est un défense des fainéants que vous êtes en train de faire. Je veux que vous jouiez de façon, tu fais un petit edge, s'il faut, et tu reviens après. Ok? Tu aides, s'il y a besoin d'aider, s'il n'y a pas besoin d'aider, tu n'aides pas. Allez, go. Encore. Vous voyez, là, tu n'as pas aidé. Tu as laissé marquer à l'heure. Quoi? Allez, go. Hey. Ok, ça va, stop. Voilà. Défense collective après, parce que bon. Ok. Lui a utilisé l'écran, on l'empêche de pénétrer. Ok, hey, facile, la switch. Switch, moi je joue. Hein. Moi avec eux, je peux jouer. Avec le niveau technique qu'ils ont, je peux jouer. Regarde, je vais faire un peu. On est ici. Vas-y, mets écran. Switch. Vas-y, même shot. Je m'en fous. Les gars, vous êtes tout le temps dans
physiquement et intellectuellement pour pouvoir réagir. Toi, ton but, c'est utiliser les temps et de marquer à l'heure. Et tu verras que si tu ne sais pas marquer à l'heure, tu vas réagir un peu différemment. Ok? Faites-le, go. Allez, go. Allez, vas-y, vas-y. Et va marquer à l'heure. Voilà. Ok. Bien. Toi, tu n'as pas su aller marquer à l'heure. Parce qu'ils ont bien défendu. Ils ont bien défendu. Il y a eu rotation et tu as été chercher le joueur qui était ouvert. Voilà. Le but, c'est ça. C'est de dire à certains moments, on va chercher le joueur qui est ouvert. Parce qu'il y a une bonne rotation. Il y a une bonne rotation défensive. Et voilà. Vous devez savoir, je suis sûr que tout le monde, lorsqu'il y a défense, grosse défense, moi c'est peut-être Ostrand qui joue la meilleure défense, avec Edge sur le porteur du ballon, d'office derrière, vous savez qu'il va avoir des rotations, il faut avoir des joueurs capables d'aller chercher les joueurs libres dans cette situation-ci, et quand dribble, va jouer Edge, il va dribble un peu, ok, attends, attends. Là, viens, voilà, c'est lui qui est venu en aide, il faut aller chercher le joueur libre. Donc, dans ce cas-ci, on est à 3, lui va être le joueur libre. Si lui, pas ça va, si lui a défendu là, c'est peut-être le joueur qui est dans le coin. Attends, 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 là, oui, c'est ça, t'as un champion du monde, ça. Si de là, tu peux arriver à aller là, c'est bien. Il y a un défenseur, puisqu'il y aura un joueur opposé dans le coin. Ok, si c'est le poste 4 et que c'est un bon shooter, ben on ne va pas laisser shooter. Donc, il faudra peut-être rotation défensive et on ira chercher le joueur extérieur. Ok, si maintenant, reprends la balle. Reste là. Ok, non, remets-toi en position. Ok, donc on est dans cette situation où il y a l'écran, vas-y. Donc, il vient pour mettre l'écran, il n'y a pas l'écran. Passe, voilà. Rotation. Qu'est-ce qu'il va y avoir si une rotation, le joueur extérieur extra passe. Ok. Si maintenant, reprends, poste 4, super shooter. Lui, c'est un super shooter, c'est un tueur. Ok, viens mettre écran. Ok. Et ça, vous avez la situation de double à plus speed. Et quand, par exemple, c'est un super shooter, vas-y. Passe. Si c'est un super shooter, tu ne vas pas l'aider là-bas. C'est juste, si tu vas aider là-bas, il va te tuer. Tantôt, tu ne voulais pas, hein, voulais pas qu'il shotte, maintenant, je te dis que c'est un super shotteur. Donc, il va rester. La rotation, d'où elle va venir, elle viendra de l'opposé, évidemment. Et il faut être capable, le meneur, de voir, de faire l'extra passe dans le coin, direct. Pour ça, il faut la qualité aussi athlétique, parce que par moment, des fois, on voit, mais on n'y arrive pas. Okay? Donc, dans des situations où il y a des défenses, des types defense comme ça, avec edge, toujours essayer d'aller voir le joueur à l'opposé. Ok, donc ça c'est déjà des situations sans écran. Ok, si vous mettez des situations, j'avais un petit deal à faire, on va vite le faire. 4 joueurs, il faut 4 joueurs. Mets-toi, Big Ben, mets-toi ici, le pivot va se mettre ici. D'accord. Et mets-toi à l'aide, vite, 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 vite. Tu vas simplement, regarde. Tu vas simplement passer la balle, un défenseur, vite. Tu passes la balle, tu cut et tu vas aller dans le coin. Ok? Toi, tu vas avoir la balle et tu vas faire des temps sur lui. Lui, il va avoir la balle. Ok? Et tu vas venir faire un ball screen sur lui. Et tu rends à l'intérieur. Allez, go. Et passe. Et stop. Il fait give and go, il passe, il cut. Et toi, tu viens derrière mettre un écran sur lui. Non, ball screen. Allez, vas-y. Ok, ça va. Vous commencez, vous jouez Edge. Reprends, on joue Edge. Et on passe au-dessus des camps. Ok? On ne switch pas. On ne switch pas au-dessus ou en-dessous des camps, je m'en fous. Mais tu ne switches pas, tu le suis toujours. Allez, go, on y va. Allez, passe. Passe, allez. Ok, voilà, situation par exemple à 4, où là vous avez tout ce que je viens de démontrer. Le seul problème, c'est que mon Big Ben ici, il ne veut pas marquer. Moi, j'ai la chance d'avoir John Fields qui ne comprend pas grand-chose dans le basket, mais il sait faire autre chose. Écran et plongé à l'anneau. Donc, quand tu mets ton écran après, tu dois aller là. Et tu veux marquer. Hein. Si tu vas là, tu vas marquer. Si tu viens ici, tu ne marqueras pas. Ce n'est pas mauvais. Maintenant, dans le basket actuel,
comme on sait qu'il y a des rotations qui viennent de l'arrière, okay, des fois il y a des big men qui font écran. Regardez Barcelone, qui dit souvent ça. Ils mettent des écrans et puis ils volent, mais un petit, il faut savoir avoir aussi un gars qui sache pas qui dit c'est, ok, mais ils font pratiquement écran, un petit roll de façon à avoir la balle, parce que l'aide est difficile, parce que quand on plonge, on va sur le défenseur. Quand on fait sur cet écran et qu'on fait on roll et qu'on reste ici, c'est le défenseur qui doit venir. Ou alors il y a un petit choc, et 9 fois sur 10, quand le défenseur vient, on passe la balle après. Donc regardez, Barcelone fait ça, parfait, à merveille. Ok, ça dépend les joueurs aussi qu'on a, donc il faut savoir, faut aussi avoir les joueurs. Ok, mais toi pour l'instant tu dois jouer écran et plonger à la main. Allez, on y va, allez. Encore, go. Pas mal, réagir, c'est bon, c'était à l'heure. Allez, go, allez, vite, allez, vite, allez, vas-y, allez, finis. Allez, encore. Bon, encore, go. Allez. Il y en a un, il est défense sous son ordre. Ok, stop. Tu vois, tu n'as pas utilisé les camps. Donc, résultat, il me reste un sous-joueur. Allons poser de temps en temps. Quand tu vois qu'il a marqué deux fois, tu en as pas mal. Ah, t'as l'air. Après, ça sert à rien de le tenir si jamais il ne marque pas. Hein. Ok, même chose là-bas. Hein. Allez, go. Ok, vous voyez après. Voilà, lui est venu dans l'airtime. Enfin. Mais s'il y a rotation, ben, le joueur qui est là doit voir et passer la balle peut-être sur le dessus. Ok, vous voyez les imperfections techniques. Il faut maîtriser lorsqu'il y a une bonne technique. Ok, vous pouvez évidemment. Si maintenant on n'est pas capable de battre son homme en un contre un. Si maintenant, quand on fait un goal screen en deux contre, on n'a pas de situation de choc, les gars, ça devient très compliqué. Donc, repartir à zéro et travailler de 1 contre 1. Ok? Donc, c'est toujours la façon de voir les choses et de bouger à l'opposé. Je ne vais pas. Parce que bon, c'est encore long. Je vais simplement vous expliquer, par exemple, certaines situations qui peuvent se passer. Il faut 5 joueurs. Allez, un poste 5, un poste 4. Enfin, poste 4, c'est bon? Poste 5, c'est bon. Allez, vas-y. Oui, je termine. Je termine, je montre tout simplement ça et puis après c'est terminé. Ok, voilà, il y a des attaques souvent maintenant qui reviennent. Viens ici en vive. On rentre avec cet écran. Tu descends, ok, et tu viens placer un écran pour ce joueur-là. Comme ça. Toi, tu viens là et tu remontes. Toi, tu vas venir en vive. Ok, donc, voilà, vive. Placer quand tu remontes, vas-y. Attends, à toi là. Voilà, passe la balle et le big man qui est au-dessus, tu viens faire la ligne. Donc, on utilise beaucoup. Ok, donc reste ici, épaule de raquette. Épaule de raquette, ça va. Et quand il a la balle, tu viens pas mettre avec toi. Ok, on le fait avec go. Ok, stop. On recommence. Alors, regardez. Parce qu'en réalité, c'est le sujet, c'est le travail hors ballon. Ok? Donc, regardez ce qui se passe hors ballon. Donc. Allez! Hé, hey, stop! Hé, hey, tu veux que je te paye un week-end avec lui? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu as la chance d'avoir un écran. Quand tu te mets là, tu viens faire l'écran. Tu fais un pas vers lui, boum, tu speed, tu cours. Hey, go, speed! Utilise! Ok. Ça va, c'est bien parce qu'il m'a demandé tantôt, coach, moi, qu'est-ce que je fais là? Ok? Et c'est là qu'il faut voir. Voilà, vous voyez, après, il y a du travail à l'opposé du ballon. Ici, par exemple, on va faire ça et on sait que ça va se passer. On le sait. Tu vas recevoir la balle. Laisse-lui recevoir, si tu veux bien. Tu vas recevoir la balle et tu vas regarder ici la réaction de ce côté-ci. Toi, tu sais que tu as un écran qui va venir là-bas.
et tu vas regarder ce qui se passe ici. Tu vois? Et toi, après ton écran, tu vas mettre un écran sur le meneur qui va descendre dans le coin et tu vas ouvrir. Ok? Toi, tu regardes ici et puis tu joues sur l'écran. Ok? Écoute. Ok. Ça, je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Voyez, situation par exemple où on a la balle, on joue à flair suite d'un côté parce qu'on peut le jouer. On peut, parce que la réaction du défenseur, voyez, le meneur ici quand il est venu en ville, okay, il s'est en ville. Regardez la réaction, jouer. Okay. Passe. Stop. Regardez la réaction souvent du joueur quand il est ici. Il a défendu, il est là. Il tourne la tête, il garde la balle, et dans cette situation aussi. Si on fait un flare screen, boum, passe ici, qu'est-ce qu'il va y avoir? Je ne sais pas, hein? Peut-être que le big man va dire, hey, shot, et si c'est mon poste 4, si c'est avec lui que je le fais, écran, il va sortir, il a peut-être un shot ouvert. Ok? Parce que lui est inattentif. C'est ça que le deuxième mouvement. Maintenant, il y a eu ça, tu vas donner la balle, toi tu vas être ouvert dans le coin après, et après avoir donné la balle, tu vas simplement descendre et toi tu vas monter et toi tu vas utiliser le ball screen. Vas-y, fais-le, attends, le meneur, vite, par la vie, hop, voilà, tout dans le coin, ça va, stop. Je joue avec lui. Ok, donc on va faire ça calmement. Viens en dribble, va sur le dessus, écran, plonge dans le coin, ouvre dans le coin. Attends. T'es ici, va au-dessus. Voilà, t'es ici, t'as la balle, tu regardes, joue dynamique. Enfin, tu peux descendre, tu vois, tu fais une touchée, tu dis à ce gars-là. Regarde, il m'a suivi, pendant ce temps-là, il y a ball screen. Comment il va faire pour défendre? Ah, t'es sûr qu'il va aider? Parce que je suis en train de bouger. Voyez, donc le problème c'est ça, c'est toujours, rappelez dans les fondamentaux, bouger, se positionner, bouger avec espace-temps. Je dois faire quelque chose. Je joue meneur, regarde. Regarde ça, le coach. Ok, tu vas faire le downswing. Allez, vas-y, passe. Joue, bon swing. Hé, hey, stop. Super défenseur. Et je ne marquerai jamais. Attends, on va faire ça. Bon. Vas-y, c'est quand? Passe. Ah, ok. Voyez, des fois, j'exagère, mais simplement, j'ai passé la balle, passe et je ne reste pas pour regarder. Parce que lui, après la passe, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre en position pistole. Donc, il se met en position pistole. Là, je vois, par exemple, j'ai passé, il a réagi comme ça. Ok, vas-y, go. Monte. Je bouge. Hop, stop. Ball screen. Regarde, il défend à deux ici, tu fais le ball screen, sûr que c'est à l'heure. Ok? Merci, coach. Ok, désolé, mais je pense que j'ai préparé un peu de trop. Si vous avez des questions, si pas, je donnerai des notes à Pascal au cas où. Mais voilà, ce sont des choses simples. Après, dans le jeu à 5, c'est dommage, il faut venir dans le jeu à 5. Dans le jeu à 5, on combine tout ça, évidemment. Ball screen, côté il y a edge, côté ballon, relation opposée, extra pass, il y a une rotation complète, tout ça, c'est à travailler avec des situations d'écran à l'opposé du ballon, toujours avec un bon timing. Regardez, parce que ça, à l'heure actuelle, en Belgique, du moins, l'équipe qui joue le mieux sans ballon, c'est pas Metastère, c'est pas Liège non plus. C'est Limbourg United. Si vous avez la chance de voir le Limbourg jouer, regardez. Mais bon, c'est pas étonnant parce que Lynch est un élève de Finch et c'est lui qui a amené en Belgique souvent les cuts. Et je voulais en parler, mais bon, on a passé le temps. Les cuts à l'opposé du ballon, les backdoors. Et si vous regardez le Limbourg United jouer, c'est une équipe qui est toujours en mouvement. Elle est toujours en mouvement. Elle est difficile à défendre parce qu'elle est toujours en mouvement. Après, voilà. Certains diront, ça manque de contrôle sur le jeu par moment.
Mais par contre, ils savent créer beaucoup. Et quand la balle va à l'intérieur, par exemple, au pivot, le cut à l'opposé, ils le font à merveille. Mais encore une fois, c'était une marque de fabrique de Fitch. Et là, je vous invite, quand vous regardez la boule, à voir tous ces mouvements qu'ils font sans ballon. Et ce n'est pas du hasard. Je pense que c'est de la répétition au niveau des entraînements. Puis, après, je pense qu'une des équipes qui utilise le plus, c'est le flares. Puis, sur des situations, des fois, on a dégusté deux paniers à trois points l'année passée avec Anvers, avec Ben Simons, parce qu'en fin de possession, justement, en fixation, l'écran comme ça pour les lier, pour un shot à trois points. Donc, c'est un travail hors ballon qui est mis en place par le coach. Donc, c'est important d'avoir des situations comme ça. Mais évidemment, on peut les coacher, mais quand vous avez des joueurs intelligents, ça vient pratiquement naturellement. Voilà, je pense que c'est un sujet assez vaste, c'est assez compliqué de le travailler, vous voyez, parce qu'il faut déjà un niveau technique assez suffisant pour pouvoir utiliser les situations 55 et les corriger, mais c'est à force de travail qu'on y arrive, donc faut pas se désespérer. Moi, à l'entraînement, je m'arrache les cheveux tous les jours à ce niveau-là, donc, parce qu'encore une fois, avec les jeunes qui sont pleins de bonne volonté, c'est difficile de garder leur qualité intrinsèque et après de les faire jouer dans un jeu organisé comme ça, parce que rien ne doit être laissé au hasard, on ne peut rien faire par hasard. Même si on laisse une part d'improvisation, de créativité, on ne peut rien laisser au hasard. Voilà, Pascal, excuse-moi. S'il y a des questions, enfin, de toute façon, je suis là. Si jamais vous voulez voir même en privé, il n'y a pas de souci. Et ceux qui veulent venir voir les entraînements à Liège peuvent venir quand ils veulent. Ils seront bien accueillis. Merci, Julio. Vous pouvez constater, mesdames et messieurs, que la passion n'a pas de bord. Julio nous a démontré ce matin ses talents de formateur. Le monde des entraîneurs, l'année dernière, lui a décerné le titre de coach de l'année. Coach de l'année, ses compétences d'entraîneur, ses capacités de formateur, et vous vous souviendrez certainement de ce fabuleux début de saison 2012-2013 de Liège. Fusion a reçu le trophée qui récompense le coach de l'année 2013-2014. L'association universelle de basketball voulait également marquer le coup, non pas en promettant un nouveau trophée, mais en lui permettant, comme ce matin, de démontrer tout son talent. Le talent, il est connu, il est apprécié, il a été applaudi. Au nom de l'AEB, nous voulons te remettre un petit présent inversement proportionnel à ton talent, à ta compétence et à ton dévouement pour la cause du basket. Merci à tous en tout cas pour votre présence, parce que vous êtes nombreux et ça fait toujours plaisir. Et encore une fois, je suis ouvert à toutes questions, que ce soit sur le clinique ou sur autre chose. Et ceux qui veulent venir voir des entraînements éventuellement à Liège, non pas qu'on travaille mieux qu'ailleurs, mais bon, voilà, on est disponible, il n'y a aucun souci de ce côté-là. On est disponible. Thibaut. Circonstances actuelles que vous connaissez, il est important de nous montrer que le basketball francophone est aussi talentueux. Nous avons de super joueurs, nous avons de grands coachs, et si on se rappelle le palmarès de la saison dernière, la joueuse de l'année était francophone, le joueur de l'année était francophone, le coach de division 1, seigneurs, messieurs, était francophone, et le coach de l'année du basket féminin est également francophone. Il est descendu
il a descendu les montagnes de Suisse pour retrouver la vallée de Brenn, et son arrivée fut doublement récompensée par un recrutement hors pair, par un travail de longue haleine, mêlant l'expérience à la jeunesse, et pour la première fois depuis bien longtemps, un club francophone a remporté non seulement le championnat de Belgique, mais également la Coupe de Belgique en mettant le feu au Palais de Musée. Thibaut, tu as reçu également le trophée récompensant le titre de coach de l'année 2013-2014. L'association Olivoussais de basketball veut également te remercier en vous permettant aujourd'hui d'apprécier tout de suite son clinique et en te remettant un petit présent aussi inversement proportionnel à ton talent, ta compétence et ton dévouement au basket francophone.